Bonjour, je m'appelle Jacob Blais, j'ai 13 ans, je suis boxeur. Comment t'as commencé à faire de la boxe? J'ai commencé à faire de la boxe à cause de mon père qui voulait que je commence des sports. Ça a parti d'abord du karaté. Je voyais qu'il aimait beaucoup le combat, mais il trippait pas bien sur les katas. Quand j'ai vu ça, je dis on va l'inscrire dans la boxe. C'est là que ça a commencé. On a fait aussi du baseball après, du soccer, la natation, on a fait beaucoup de sports. Tous les sports qu'il a fait depuis qu'il est petit, bien, automatiquement, il y a une discipline qui se fait là-dedans. Il a pris sa discipline dans le sport. Dans tout ce qu'il fait, bien, il le fait bien, il le fait pas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi la boxe? C'est l'entraînement, la compétition, le stress que ça fait. C'est cool, ce sport-là. Et juste à te voir en parler, t'as comme le sourire qui est venu dans le visage. À quoi ressemblent tes entraînements? C'est des entraînements assez durs, deux heures et demie, du lundi au jeudi. Je tiens fort avec les bras. OK, encore 50 mètres. Je m'occupe de tout ce qui va pas être la boxe en tant que telle. Faut développer sa puissance, son endurance, sa force, son cardio. Et la préparation des aptitudes physiques qu'il va avoir besoin. Plie tes genoux un peu. That's it. En 30 secondes, on va repartir. Quel genre d'athlète il est à l'entraînement? Il y a un sérieux qui va pas avec son âge. Je peux lui faire faire des choses que je donnerais à un adulte, puis il va le faire sérieusement, puis il va tout le temps s'impliquer, tu sais, de la bonne façon. Il est consciencieux, si tu lui donnes du feedback, il le fait. Ça, c'est vraiment trippant de travailler avec lui. Il a une facilité d'apprendre, puis il veut apprendre. Ça. Change d'angle quand tu passes en dessous. C'est le genre de jeune que tu as envie de travailler avec. Il y aurait peut-être un jeune qui aurait du talent aussi, mais que sa personnalité me rejoindrait peut-être un petit peu moins. J'aurais moins envie de m'investir autant, tu sais. Quand je vois Jacob, j'aurais aimé ça être comme lui. Sa discipline, toute l'énergie qu'il met, son sérieux. J'ai commencé à boxer à son âge, puis j'étais pas sérieux comme qu'il est. Ah oui, hein? Ah ouais, il est impressionnant, là. Ouais. C'est un exemple à suivre pour tous les autres jeunes, même les adultes, là. Est-ce que t'es nerveux avant un combat? Avant, j'ai aucun stress, je pense même pas. C'est plus le jour même, quand la cloche sonne, ben, j'oublie tout, puis c'est là que ça se passe. Le plus nerveux entre Jacob et vous? C'est moi. Quand je sais qu'il y a un bon combat qui s'en vient, je suis pas capable de rester à la maison puis mon gars s'en va à la boxe. Il faut que je sois là, faut que je le vois, faut que je vois ce qu'il travaille. On veut qu'il performe. C'est comme les autres parents de hockey ou de baseball. Sauf qu'à la boxe, c'est différent. C'est un contre l'autre. C'est pas une équipe contre une autre équipe. C'est ça qui est stressant. Je vis le combat autant qu'il vit. Si tu penses à long terme, là, quelle compétition tu voudrais faire? J'aimerais ça aller aux Olympiques. Est-ce que tu vises la Ligue professionnelle aussi? Ouais, mais plus Olympique. Pourquoi le plus Olympique? Je sais pas, c'est plus une affaire. J'aimerais ça réussir à ça gagner ou juste me rendre là, ce serait un rêve, ouais. Pour toi? Il y a une attitude de champion déjà. J'en ai pas connu d'autres comme lui, en fait. À son âge, c'est impressionnant. Alors là, moi, ça me tenterait d'essayer de boxer. Est-ce que tu veux en faire avec moi? Ouais. Ouais? Let's go, on y va! Job, direct. Oh, mon temps de réaction est très mauvais. Job, direct, uppercut. Wow. Uppercut côté? Comme ça, ouais. OK, attends, tu m'as dit. Job direct. Ouais, nice. Job, direct, crochet. Job, direct, uppercut. Ouais, ben, chacun sa discipline, hein? Fun, par exemple. On reste assis.